Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Radio Grand Lac. J'ai plus rien. Bonjour à vous tous, si vous nous écoutez sur le 88 FM. Depuis Aix-les-Bains, le territoire Grand Lac et autour du lac du Bourget. J'espère que vous passez une belle journée et que vous êtes confortablement installés, prêts à entendre des horreurs. Parce que je vous annonce ce soir l'émission la plus diabolique de l'année sur Radio Grand Lac. Et pour cause, je suis avec une bande de fous ce soir. C'est pas possible. Et oui, on est là, ça y est. On est là, on s'est retrouvés. Ça y est, le son est revenu. Je ne sais donc pas si on m'a entendu. Je vous annonçais effectivement une émission la plus diabolique de l'année sur Radio Grand Lac avec une équipe de fous furieux. Hein, je les appelle comme ça, déjà parce que c'est des bénévoles. Déjà pour commencer. Qui font vivre la radio. Une équipe mortelle, en tout cas, qui a répondu présent à mon invitation ce soir et que je vais vous présenter dans un instant. On est ensemble pour 2 heures de délire jusqu'à 19h. Et j'ai en ma compagnie Sandra, notre copré préférée. Bonjour à tous. Comment allez-vous pour cette émission terrifiante? Eh ben, on va bien. Moi, je suis ravie. En tout cas, je suis ravie de faire cette émission en votre compagnie. Et puis, je suis sûre que les auditeurs sont en train de baliser un petit peu en se disant, mais qu'est-ce qu'ils nous préparent à Radio Grand Lac? Ils ont bien raison. Voilà. Ils vont morfler. On leur prépare plein d'histoires sordides, des anecdotes mortelles, plein de choses qui vont vous faire trembler. On rappelle, Sandra, que tu es donc coprésidente avec Claudie. Exactement. Et que toutes les deux, vous animez une émission tous les jeudis, de midi à 13h, qui s'appelle Grand Angle. Exactement, de midi à 13h, en direct tous les jeudis, où on parle des événements et des manifestations d'une semaine sur l'autre. Super, merci Sandra. On a avec nous également, autour de la table, Audrey. Salut Aude. Notre rayon de soleil du matin. Merci, c'est gentil. Tous les matins, du lundi au vendredi, de 7h à 9h. C'est ça. Tu nous réveilles avec la bonne humeur et le sourire et on adore j'essaye ça. J'essaye en tout cas. On a aussi avec nous Laurine ce soir. Bonsoir Laurine. Bonsoir. Alors Laurine, tu animes l'émission Padawan le mercredi après-midi. Super. Ouais, bah voilà, ce qui paraît c'est super. Moi, on m'en a dit des bonnes choses, donc je suis plutôt contente, c'est vrai. Rappelle-nous brièvement de quoi tu parles dans cette émission. Brièvement, c'est une émission pédagogique et j'essaye d'amener des sujets différents qui traitent un petit peu soit de sujets d'actualité, soit de sujets qui peuvent durer dans le temps. Moi, ça me paraît plutôt intéressant, donc je le partage. Voilà. Et c'est les mercredis après-midi. Totalement. De 16h. Non, de 14h à 16h. Toi, t'es puni. Ça commence fort. Ça y est, le premier gage. Il y en aura plein ce soir. On a également avec nous Sullivan. Bonsoir, Sullivan. Bonjour. Merci nous avoir rejoints ce soir. Bah, c'est trop cool d'être là. Alors, toi, tu t'occupes du créneau du lundi soir. Oui, madame, absolument. Je suis là tous les lundis soirs de 19h à 20h, figure-toi. Figure-toi, et une semaine sur deux, tu nous parles d'immobilier. Ouais, une semaine sur deux, je parle de sujets un peu plus larges. Donc là, ce week-end, lundi, parce que c'est pas ce week-end, parce que le lundi, c'est après le week-end. je vais avoir une bande de fous, je vous ai prévenu, c'est une bande de fous. Je vais avoir Aurélie Cassetti qui est wedding planner, donc elle organise des mariages et à l'occasion du salon du mariage qui aura lieu à Chambéry la semaine d'après, donc c'est certainement le week-end du 10-11 novembre, on va avoir quelqu'un qui va être là lundi soir et qui va nous raconter son métier, c'est qui est dingue, qui fait elle pour le coup un vrai métier de dingue quoi. Un vrai métier de dingue que tu connais bien. Ouais. Voilà, donc une semaine sur deux, on parle immobilier dans On parle de toi. Ouais. Et puis la semaine suivante, tu alternes avec On parle de tout. Et j'aimerais qu'on revienne sur celle de la semaine dernière qui était une émission d'anthologie. Je pense qu'on peut t'applaudir. D'anthologie, au moins. C'était vraiment magnifique. Moi, j'ai pris plaisir. J'étais scotchée à mon poste de radio. Je suis sûre que tous nos éditeurs aussi. C'était une émission cool. En tout cas, si vous l'avez loupée, vous pouvez la retrouver sur le podcast de notre chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Ouais, merci à Nick d'ailleurs parce qu'il fait un travail remarquable là-dessus sur la technique. Et donc l'émission, c'était avec Edouard Jay, qui est donc journaliste sportif pour RMC et qui est un Aixois. Qui nous a rappelé plein de souvenirs d'Aix-les-Bains. Ouais. Moi, j'étais vraiment émue en écoutant cette émission. On a passé un moment canon. Ouais. Nous ce soir autour de la table, nous avons Alex et Tristan. Yes. Bonjour. Salut les gars, comment ça va? Ça va bien, super content d'être cette émission spéciale Halloween qu'on attend avec impatience. Ah oui, voilà. Je crois que vous allez nous éclater avec plein de légendes assez glauques, assez berques. Tout de suite, parce qu'on va parler de métal, là, les clichés. On rappelle les garçons que vous occupez d'animer une émission une semaine sur deux, le vendredi soir. C'est ça. Qui s'appelle Nos régions de la disto. Retracez-nous en quelques mots
ce à quoi on peut s'attendre dans cette émission? Eh ben, on peut s'attendre à beaucoup de choses, notamment à beaucoup de métal et surtout beaucoup de musique locale. On essaye de faire parler les jeunes groupes, les jeunes pousses, notamment à Deva, Aix-les-Bains et à La Pêche à Chambéry. On essaye de leur donner un petit tremplin, merci, pour leur permettre de faire de la pub sur leur premier album, sur et aussi on essaye d'inviter des groupes, pas forcément des groupes, mais aussi des salles. Là, on va petit teasing pour la prochaine émission. On va vous parler d'une petite boîte de prod qui s'appelle Moonfog et qui s'est montée genre il y a un an et qui commence à faire des très très bonnes dates. Super, merci les gars. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour ce soir? Eh ben, pour moi, pour ce soir, je vais vous parler du Chuck Rock. Donc, je vais vous parler d'Alice Cooper. Je vais vous parler de Marilyn Manson et surtout, je vais vous parler de tous ces groupes que Famille de France n'aime pas trop. Et du coup, Tristan, tu vas nous parler de... Eh ben, Halloween, si vous le passez tout seul, c'est le meilleur moyen, même si vous êtes entre copains, de regarder des films d'horreur. Du coup, je vous conseille 6 films d'horreur, 3 anciens, 3 nouveaux. Oui, j'aurais pu en conseiller beaucoup plus, mais bon, j'en aurais pour 3500 ans et on n'a pas tout ce temps-là pour faire l'émission, malheureusement. Voilà. Eh ben voilà, ça y est, on a perdu tous les auditeurs. Oh, c'est pas drôle. Mais non, pas du tout, ils sont là. D'ailleurs, on vous remercie de votre fidélité. J'en profite pour saluer également le public qui est présent dans le studio. Exactement. Merci d'être avec nous ce soir. On se retrouve tout de suite après la première pause musicale et on enchaîne sur Radio Grand Lac avec Ghostbuster. Radio Grand Lac. Ghostbuster sur Radio Grand Lac, musique extraite du film éponyme qui date de 1984. Pour commencer cette émission en direct spéciale Halloween. Alors, je vous ai présenté la bande de fous, mon équipe mortelle que j'ai autour de la table ce soir avec moi. Et je voulais rajouter un petit complément. Après cette première pause musicale, je voulais saluer, ne pas oublier l'ensemble de l'équipe qui compose les bénévoles de Radio Grand Lac. On est une trentaine. À peu près une trentaine, oui, tout à fait, qui font la richesse de ce média local, bien sûr, sur Aix-les-Bains, sur le lac du Bourget et sur le territoire Grand Lac. Et pour moi, c'est une fierté d'avoir une équipe comme ça, solidaire, et puis qui a envie de proposer du contenu aux auditeurs du territoire. Voilà, tout à fait. 17 émissions toutes les semaines, très éclectiques, de tout domaine, riches et variées. Donc on salue ces animateurs qui n'ont pas pu être présents avec nous ce soir. Mais voilà, on pense à Marie-Pierre, à Claudine, à Sullivan, à Lolo, et puis toutes les personnes qui nous aident de près ou de loin. Toutes les personnes qui nous aident. Je voulais dire Corentin. Le mec, il est vraiment charismatique. Je voulais dire Corentin. Lequel est autour de la table à côté. Est-ce que je l'ai dit, Corentin? Non, tu l'as pas dit. Eh ben voilà, je voulais dire Corentin. Mais il y a Jérémy, il y a Antoine également. Il y en a tellement d'autres. Lolita, Benoît, effectivement, Valentin. Et puis Corentin, bien sûr, le samedi soir. Et puis donc Corentin. Mais tu vas y arriver. Il y a aussi Corentin qu'on a oublié de saluer. Voilà. Non, mais elle rame grave, mais c'est pas grave. Vous êtes pénible. Des vrais monstres, c'est bien. Vous êtes bien dans le thème de ce soir. Alors justement, Halloween, mais d'où vient cette légende? C'est au départ une fête celtique d'origine irlandaise, le nouvel an celtique. Il y a environ 3000 ans, le calendrier celte ne se terminait pas, figure-toi, le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et oui. Et cette dernière nuit de l'année était donc la nuit du dieu de la mort. Voilà. Et puis on va laisser à Tristan. Dieu Samhain. C'est exactement ça. Voilà. En gaélique, elle est une fête très populaire en fait en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles. Il y a des vols de citrouilles là par là. Et on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence en fait. Donc voilà. Voilà, effectivement, et ça remonte à une vieille légende. Tristan, tu voulais compléter un petit peu. Cette histoire. Tu voulais peut-être parler de Jack aux lanternes, toi, Tristan. Oui, soit j'en parle, soit je fais raconte la légende, soit tu le fais. Mais vas-y, allez. Ben, allez, c'est parti. Tu peux y aller. Enfin, si t'es au point, parce que j'ai l'impression que tu cherches ton texte. Alors, la légende de Jack aux lanternes, je vais vous la faire en mode conteur, sinon allez, c'est pas drôle. Allez, j'adore. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, Jack bouscule le diable. Ce dernier, comme à son habitude, tente de convaincre Jack de lui laisser son âme en échange de faveurs diaboliques. Sur le point de succomber, Jack demande alors au diable de lui offrir un dernier verre avant qu'il n'accepte le pacte. Le diable se transforme alors en pièce de 6 pence afin de payer le tavernier. Prestement, Jack empoigne la pièce et la glisse dans sa bourse. Or, celle-ci contient une croix d'argent, le seul point faible du diable comme tout le monde sait. Le diable ne pouvant plus se transformer de nouveau est prisonnier dans la forme de cette petite pièce. Jack obtient alors du malin qu'il ne vienne pas réclamer son âme avant que ne soient écoulés 10 ans et que ce que le diable accepte.
10 ans plus tard, Jack rencontre le diable à nouveau sur une route de campagne. Ce dernier réclame son dû. Jack, réfléchissant à toute allure, dit alors « Je veux bien venir, mais d'abord, est-ce que tu pourrais cueillir une pomme dans cet arbre pour moi, s'il te plaît ?» Le diable grimpe sur les épaules de Jack et s'accroche aux branches du pommier. Jack sort alors son couteau et sculpte une croix sur le tronc de l'arbre. Coincé de nouveau, le rusé maréchal Ferrand obtient alors du diable la promesse qu'il ne prenne jamais son âme. Sans autre solution, le diable accepte et Jack efface la croix du tronc. Lorsque Jack meurt, l'entrée du paradis lui est refusée. À cause de sa vie d'ivrogne et conformément à sa promesse, le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin. Morceau de charbon ardent qu'il mettra non pas dans une citrouille, mais dans un navet. Bah, bravo. Très belle histoire hein, de Jack à la lanterne, hein, qui est associée effectivement au conte d'Halloween. Exact. Hein, et on a effectivement découvert que c'était une fête qui avait ses origines plutôt religieuses. Et puis exactement. Après, qui a été dérivée en fait plutôt païenne. Et donc associée à cette histoire de Jack à la lanterne qui est condamné à errer entre le paradis et l'enfer pour avoir berné tout le monde, le diable et le dieu. Exactement. Et d'après la légende, sort tous les 31 octobre, le soir d'Halloween. Et nous y sommes. Voilà pourquoi, pourquoi cette fête est reliée à tout ce qui est caractère glauque, sordide, morbide. Voilà, c'est effectivement avec cette histoire de Jack à la lanterne. Et puis Sandra, tu voulais nous expliquer pourquoi finalement il y a des bonbons dans cette fête. Effectivement, c'est synonyme Halloween, synonyme Mais oui, pour la même raison, en fait, les Celtes laissaient des gâteaux aux morts comme offrande pour les honorer, ainsi qu'aux pauvres. Et c'est ainsi que la nuit d'Halloween était d'ailleurs nommée en Angleterre la nuit de la pomme croquante. Et par la suite, les bonbons donc, ont été remplacés par les pommes et les gâteaux. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est venue cette célèbre phrase « trick or treat ». Des bonbons ou un sort. Des bonbons ou un sort. Ouais, en français, en fait, c'est une phrase rituelle que prononcent les enfants, déguisés bien sûr le jour d'Halloween lorsqu'ils font du porte-à-porte pour obtenir justement ces fameux bonbons le jour d'Halloween, donc un bonbon ou un sort. Alors, on pense à vous, tous les parents qui ce soir ou cet après-midi ont été en balade avec leur petit monstre. On en a vu plein. C'est vrai que la ville est pleine de petits monstres. Parsemée de petits monstres. C'était trop mignon. C'était courageux parce qu'en plus, il a plu tout l'après-midi. Oui, c'est vrai. ça n'effraie pas, tu vois. Les gens continuent, même avec leur parapluie, à se déguiser et puis aller frapper aux portes, effectivement. Alors, justement, je voulais vous donner une information, une actu un peu glauque, on va dire. J'ai encore plus glauque parce que je vous parlerai tout à l'heure de Marc Dutroux. Donc, vous voyez, j'ai pire. Et oui, il y a de l'actu. Je suis désolée, il y a de l'actu sur lui en ce moment. C'est bien dommage. Voilà, on en a profité pour le passer dans l'émission d'Halloween. Non, je voulais plutôt revenir sur. Par contre, profiter Marc Dutroux dans la même phrase, c'est très bizarre. Ouais. Oh là là. C'est moche ça. Je voulais vous parler plutôt d'un arrêté municipal qui a été pris dans l'Aveyron par un maire. Qui a décidé d'interdire la déambulation d'enfants seuls dans sa ville de cet après-midi jusqu'à demain après-midi pour éviter justement tout débordement ou tout problème lié à la sécurité. Voilà, donc ce qui n'est pas le cas dans notre ville d'Aix-les-Bains, bien que des consignes de sécurité aient été données par la préfecture. On a pu voir ce message véhiculé sur les réseaux sociaux. Effectivement, en tout cas, il y a donc ce maire dans l'Aveyron qui a décidé, lui, carrément d'interdire, à moins d'être accompagné d'un adulte. Voilà, nous reviendrons avec d'autres petites légendes plus rigolotes. Ah, Jean-Audrey qui est morte de rire. Et on se retrouve en musique morte, après la court, pause. Semble-t-il, c'est Halloween. Après la pause musicale, tout de suite, c'est David Bowie, Scary Monster sur Radio Grand Lac. Grand Lac. Radio Grand Lac. Bienvenue sur l'émission la plus terrifiante de l'année. J'espère que vous êtes confortablement installés. Nous, on est très très bien ici au studio. Il y a une ambiance de dingue.
ça rit, ça pleure. En tout cas, il y a des bonbons partout. J'espère que chez vous, c'est pareil. Parce que vous allez voir arriver plein de petits monstres ce soir qui vont venir vous demander des bonbons ou vous jeter un sort. Alors, avant d'être transformé en grenouille, donnez-leur tout ce que vous pouvez. Et les dentistes vous remercieront aussi. On est ensemble. Ouais. Les dentistes vous remercieront aussi. C'est vrai, Audrey. On est ensemble jusqu'à 18h pour cette émission en direct et on va parler tout de suite d'histoires sordides avec Audrey qui va nous raconter une histoire pas drôle. Non, je vais vous parler de l'histoire de la Dame Blanche. Alors, il existe plusieurs versions de cette histoire selon des témoignages. Elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Alors, je vais vous raconter plutôt celle d'un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sûr sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui sous une pluie badante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte après avoir indiqué son adresse et lui ne dit plus un mot. Elle reste donc très silencieuse jusqu'au moment où elle passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrive à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Mais ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre et raconte alors que son histoire est et décrit la jeune femme. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique, ayant perdu la vie en moto au Pont Furet des années auparavant. Merci Audrey, on se croirait le matin. Hein ouais. Mais non, il n'est pas 9h, il est bien 16h25. C'est pas la matinale. Je vous le rappelle. Ça allait vite. On avait l'impression là de se réveiller là. Tiens. Ce qui est extrêmement drôle, c'est que tu as réussi à mettre de la bonne humeur dans cette histoire qui est ultra glauque. C'est vrai. Mais non, mais c'est ça qui est génial. Non mais c'est horrible parce que je peux dire quelqu'un est mort mais j'ai le frère jusqu'aux oreilles mais c'est, ouais. C'est atroce. C'est vrai que cette histoire de la Dame Blanche c'est l'une des légendes urbaines les plus connues. Hein, on a l'histoire, nous, de par ici, dans le coin vers Chambéry, je crois. Hein. Il y a eu pas mal de rumeurs sur cette Dame Blanche. En tout cas, elle a été aperçue dans vers Montmélian. Voilà, exactement. Ah, je ne savais pas. Et je crois qu'il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps dessus. Oui, ça c'est voilà. Vrai, ouais, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai eu des bons échos. Voilà, interdit au moins de 12 c'est ans. C'est plus précisément une pièce de théâtre, la Dame Blanche, qui est sortie. C'est aussi une glace, hein, si tu prends comme ça. C'est aussi un dessert, c'est vrai, effectivement, c'est un dessert. On a Laurine qui va aussi nous raconter une histoire triste, vas-y, ouais, plus glauque. Ouais, voilà, elle est un horrible. Peu moins connue, mais elle est tout aussi glauque, ouais. Bon, alors, peut-être allez, même allons-y. Plus. C'était le 12 décembre 2008, il y a deux trains qui se sont rentrés dedans à Los Angeles, tuant 25 personnes. L'un des passagers à bord s'appelait Charles, il voyageait de Salt Lake City pour un entretien d'embauche à Los Angeles. Il avait donc grand espoir d'être embauché et comptait épouser sa fiancée s'il réussissait, puisque celle-ci vivait en Californie. Les 11 heures qui ont suivi le crash de ces deux trains, le téléphone portable du garçon a appelé de nombreuses fois, à savoir sa fiancée, son fils, son frère, sa belle-mère et sa sœur. Toute sa famille, quoi. Voilà. En tout, sa famille a reçu près de 35 appels. Quand il répondait, il n'entendait que des bruits de parasites. Ça grésillait, c'était bizarre. Et quand il rappelait, les appels étaient immédiatement envoyés vers la boîte vocale du garçon. Sa famille est restée optimiste et pensait que Charles était vivant dans les décombres. Et essayer de les joindre. Or, quand l'équipe de recherche a tracé le signal de son téléphone, ils ont découvert son corps dans une des premières voitures, là où il y avait eu le plus de blessés et de victimes. Ils ont conclu après un examen légiste qu'il était mort sur le coup et qu'il n'aurait jamais pu passer ses appels, le plus bizarre étant qu'ils n'ont jamais retrouvé le téléphone. C'est pas vrai, non mais moi ça me donne la chair de poule là. J'en ai eu des frissons. Ouais, c'est difficile hein, de donner du voilà de croire à ça. Néanmoins, c'est pas vrai, la première fois qu'on entend parler effectivement de choses assez inexplicables comme ça. Il y avait eu le même genre d'histoire notamment pour le crash aérien qui avait eu lieu dans l'océan Indien. Je cherche la compagnie depuis tout à l'heure. Malaysia Airlines. Merci beaucoup, impardonnable à moi. Le Malaysia Airlines, qu'on n'a jamais retrouvé d'ailleurs. Voilà. Il y avait eu des histoires similaires hein, avec des proches qui avaient annoncé quelques temps après le crash. En tout cas, ne pas avoir été contactés, mais en essayant de vouloir appeler les proches qui étaient dans cet avion, ne pas tomber directement sur la messagerie, le répondeur, donc ce qui n'était pas logique puisqu'ils étaient censés... voilà, tous être décédés quelques jours plus tôt avec leur téléphone. Voilà. Mystère. Donc, ouais, ça me donne la chair de poule, moi, d'imaginer ça.
On part ensuite avec une histoire assez insolite. Hein. Je crois que c'est une mort voilà, insolite qui nous a raconté par Sullivan. Ok, en fait, moi, je suis allé jeter un petit coup d'œil du côté des Darwin Awards. Et en fait, les Darwin Awards, ils récompensent chaque année les morts les plus stupides, improbables qui puissent exister. Donc du coup, je vous en ai fait une petite synthèse, là je vais vous en livrer une, parce qu'après il y a mon quiz, quiz sur les méchants de Disney. Oh. J'adore. Non, ouais. Donc là, juste un truc, un notaire de 39 ans, donc, qui s'appelle Gary Hoy, donc on est aux États-Unis, il est tombé du 24e étage, c'était à Toronto, de l'immeuble de la Bank Tower, et vous savez pourquoi ? Et parce qu'il a voulu montrer à des élèves la solidité de la vitre. Donc il s'est jeté, il a donné un grand coup d'épaule dans la vitre. On a retrouvé son cœur, bravo. Mais la vitre n'était pas cassée. Le plus drôle, c'est que c'est ça, c'est que la vitre n'est pas cassée. Lui, il a fini genre purée de poivron par terre. Vitre, elle est pas voilà. Il a fallu un peu de temps pour nettoyer la vitre, hein, vous comprenez bien. Mais on a pu la remettre après. Heureusement qu'on a pu la remettre, et c'est quand même le plus important. Est-ce que vous voulez qu'on parte directement sur un petit quiz Disney? Oui. Alors, ça vous dit? On y va? C'est parti, le premier quiz, part 1, ok? Donc, j'attribue des points à tout le monde. Est-ce que je peux avoir un stylo là juste ici, s'il te plaît? Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais vous noter. Première question, mesdames et messieurs. Donc, le thème, c'est les méchants de Disney, ok? On commence hyper simple. Donc, hyper simple. Au plus rapide. Cruella. Au plus rapide, ok. C'est une bonne... Et ben non, c'est une mauvaise réponse, c'était le capitaine Crochet, je suis désolé. Tu ne triches pas, c'est... Alors, qui est l'ennemi juré, le Peter Pan, c'est... Capitaine Crochet. Non, Capitaine Crochet. Qui a dit Jafar autour de la table? Là. Non, mais attends. C'est Audrey, je crois. En fait, tu trichais pour cette question. Absolument pas. Elle a versé les réponses, elle a décalé. Joli. Comme quoi la triche, ça n'aide pas. Donc, effectivement, donc, l'ennemi juré de Peter Pan, c'est le Capitaine Crochet. Bien joué, Aude. Et ça fait un point pour Aude. Ouais, voilà. Non, mais il y a des grands enfants autour de cette table, quand même, je remarque. Hein. Exactement. Mais qui n'est pas fan de Disney autour de cette table? C'est vrai. C'est aussi une bonne question. Bah, tout le monde, je pense. Hein. Alors, Aude, un point. Deuxième question. Quelle sorcière donne des jambes à Ariel en échange de sa voix? Ursula. Ah, oui. Oh là là, les gars. À côté, je peux vous dire que ça écoute du métal, mais dès que ça te parle de la petite sirène, ils sont là aussi, les gars. Bien joué. Ok, très bien. Donc, la disto, ça fait 2 points, parce que c'était une question à 2 points. Oh non. Ah si, question à 1 point, parce que question hyper facile. Merci de l'avoir posé. Quel grand vizir veut devenir sultan à la place du sultan? Bah, Jafar, du coup. Jafar, c'est Isnobu. Ça va, c'est pour toi, Audrey. Non, merci. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Non, Isnobu, c'est pas un Disney, pour le coup. C'est évidemment Jafar, bien sûr. Celle-ci, elle compte pour 2 points. Ah. Question numéro 4. Attention. Comment s'appelle le frère de Mufasa dans Le Roi Lion? Scar. Oh ouais. Les gars, oh là là. Non mais alors là, je suis coché, quoi. Ah ouais, c'est mon enfance. En fait, ils écoutent Iron Maiden et Le Roi Lion. Mais c'est mon enfance, Le Roi Lion, les enfants, évidemment. Donc, ça fait 4 points, donc du coup, pour la disto. Ok, dans réponse, vous avez tous réponse. Ok, donc dans réponse, comment s'appelle la sorcière qui l'enlève, elle la séquestre et profite de ses pouvoirs magiques et de sa chevelure La mère Gretel. La mère comment? Jolie. La mère comment? Gretel. Non. Ah, une faute. Tiens, j'ai l'impression que la disto n'est pas très bon sur réponse. Ça ressemble un peu. Ça ressemble carrément. En fait. Le maire de Créteil. Le temps qu'on a. Le maire de Créteil par ici. Oui. Ça n'est pas le maire de Créteil. Elle triche, elle regarde sur le papier. Non, c'est pas vrai, j'ai déménagé. Est-ce que quelqu'un peut regarder sur Wikipédia? Écoute, je suis en train. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de donner sa langue au chat. Un peu, ouais. Ok, c'était la mère Gotel. Gotel. Et donc, j'enlève évidemment 4 points à l'équipe de la disto, évidemment. Numéro 6 dans La Reine des Neiges. Et ça, c'est pour 3 points. La Reine des Neiges, 3 points. Vous dites, attendez, c'est quoi cette question de fou qui va arriver? Mais elle va arriver. Qui s'en prend à Elsa pour devenir le roi d'Arendelle? Je veux le nom. Hans. Exact. Hans. Oh non, mais c'est pas possible. J'ajoute 3 petites barres à côté de la disto. Ok. Bon, les autres, vous êtes inexistants en réalité. Vous n'avez pas de... On n'a pas bien résisté nos classiques. Classiques. On repart sur la question numéro 7. Comment s'appellent les deux belles-sœurs? Elle est facile, de Cendrillon. Ah, moi je l'ai. Attends. Je suis lavé, mais presque, du coup. Tu es accroché de ton chapeau, Stéphanie là. De Monaco. Stéphanie... Non, c'est pas ça. C'est pas Stéphanie de Monaco. Anastasie. Anastasie, ouais, on en a une. Si
Non, c'est pas Hermione. Javotte et Anastasie, bien joué. 14 points d'un coup. Ça fait du coup et là, effectivement, Aude prend la tête avec 14 points d'un coup. Alors, question numéro 8. Dans les 101 dalmatiens, quel super méchant veut récupérer la fourrure de Cruella. Ça fait Cruella, c'était pour un point, c'était facile. Oui, c'était facile. Tu n'as pas pris beaucoup de risques. Ok, d'accord. Donc, il reste encore deux questions. Question numéro 9. Question numéro 9 dans Toy Story 3. Quel est le nom de la peluche hyper méchante qui sent la fraise et qui séquestre Buzz l'éclair et ses amis? Il est hyper méchant, c'est ça? Il est tellement méchant. Ouais, il sent la fraise. On a la première lettre. Il est rose et il est tout rond. On a la première lettre. Et il est on tout a la méchant. Première lettre. C'est pas Buzz, allez, je vous donne la première lettre, c'est L. Un L. L comme le premier qui sort, Laurine. Laurine? Non, ça ne fonctionne pas. Ça va mal se passer. Ça n'est pas Laurine. Non, vous savez pas? Non. L-O, 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 L-O,
Deuxième film, et là je vais vous proposer deux films, c'est-à-dire un film et son remake. Le premier, c'est évidemment le film Halloween. Hein. J'ai fait, of course. Et voilà, j'ai fait de Monsieur John Carpenter. Et of course. Pour revenir un petit peu, pour revenir un petit peu sur ce que j'ai l'habitude de faire sur nos régions de la disto, également le remake de Monsieur Rob Zombie. Rob Zombie qui est également un chanteur de métal de talent. Dont je vais vous parler juste après. Exact. Voilà. Comme quoi, ce qu'on fait avec Alex, ça se suit. Et Halloween, bah, c'est un monsieur au masque blanc qui tue des gens. Il y a eu une histoire avec sa sœur. Pareil, je vais pas vous spoiler toute l'histoire du film, sinon, bah, j'en ai pour 200 ans et j'ai, allez vous faire votre propre avis. Et un autre film qui a fait peur. Ah. Oui, tu m'as fait peur, Tristan. Donc, allez vous faire votre propre avis. Ça a failli être vulgaire. Simplement. Voilà. Non, je vais pas être vulgaire, je te promets. Ça a failli, hein. Non, mais tu sais, quand je suis pas vulgaire, on pense que je vais l'être. C'est ça qui est génial. Et enfin, le dernier film qui est aussi un classique, et je pense que tout le monde l'a vu autour de cette table, L'Exorciste, évidemment. Ah oui, bien sûr. Qui est tiré de l'œuvre littéraire de William Peter Blatty. Pareil, je vous conseille d'aller le voir. Une fille qui est possédée par le démon. Et il y a des scènes qui font toujours aussi peur, notamment la tête qui tourne à 360 degrés. Qui est morte, hein, d'ailleurs, depuis, je crois, cette actrice. Il me semble qu'elle est décédée peu de temps après. Il me semble, ouais. Hein? Ouais. Il y a eu des histoires bizarres avec ce film. Il y a eu des histoires bizarres. D'ailleurs, c'est un truc qu'on pourrait parler aussi, c'est qu'il y a plein de films d'horreur, Poltergeist, L'Exorciste, tout ça. Qui ont mal tourné. Qui ont très, très mal tourné. Tout à fait. Et maintenant, on parle des films un petit peu plus récents. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est encore un remake. J'y peux rien. Encore un Stephen King. Le remake de ça ou It en anglais. Voilà, le fameux clown tueur. Le clown, oui. Voilà, donc je parle de la version 2017 parce que bah, j'ai préféré ce film-là, même si le dernier n'est pas si mal que ça. Frappez-le ! Non. Je la refais. J'aime beaucoup les premiers avec Tim Curry, ça, il n'y a aucun problème. Mais entre les deux derniers qui sont sortis, c'est-à-dire celui de 2017 et celui qui est sorti là il y a à peu près 5-6 mois, bah, je préfère celui de 2017. Voilà, donc en gros, le remake du premier. Voilà. Alors on frappe pas. Chacun a son avis. Non, mais on frappe pas. Hein, après, c'est des films que je vous conseille parce que moi, je les ai adorés, c'est tout. Maintenant, si vous les aimez pas, c'est votre problème. Et du coup, moi, je voulais rajouter que c'est un film qui a fait donner naissance à la coulrophobie. La peur des clowns, tout à fait. Et voilà, regardez-le. Les deux clowns ne sont pas du tout pareils, mais l'histoire correspond à peu près. Et c'est pareil, c'est tiré de l'univers de Stephen King, qui est un univers très Lovecraftien. Je reviendrai sur ce terme juste après. Lovecraftien. Oui, je vais y revenir sur ce terme. Et justement, j'y reviens maintenant avec le film La cabane dans les bois. Pareil, un film de 2014 où il y a un acteur que tout le monde doit connaître, c'est Chris Hemsworth, qui joue le fameux Thor. Et oui, parce qu'il a eu une carrière avant de jouer Thor, désolé. Et bon, alors il joue pas un mec très intelligent, il joue une espèce de sportif qui finit mal la moto dans un mur. Tu parles de Thor là du coup? Non, non, je ne t'autorise pas, Sullivan, c'est pas gentil. Et alors, je parlais de Lovecraftien, à savoir que, ça y est, j'ai mangé son nom, Edward Lovecraft, non, Harry Lovecraft, H.P. Lovecraft, voilà. H.P. Les ordinateurs? Rien à voir. Cette bonne blague. Tu es par les fans de Lovecraft, moi. C'était Howard pour éviter le blanc. Voilà, Howard Philip Lovecraft, merci Alex. Qui est un écrivain également, qui a écrit des histoires un petit peu bizarres, dirons-nous, un petit peu horrifiques. Je vous conseille ses écrits et vous verrez que le film La cabane dans les bois et le film ça sont fortement tirés de Lovecraft, et surtout que Stephen King est un gros fan de Lovecraft, et moi aussi. Et enfin, le dernier film qui est sorti il y a à peu près un an, Hérédité, qui est un film d'un réalisateur qui était complètement inconnu jusque-là, qui s'est essayé à l'horreur et qui est devenu un maître de l'horreur, qui a sorti entre-temps également Midsommar, qui est un autre film d'horreur. Et bah en gros, c'est pour vous résumer le truc, c'est un mélange entre L'Exorciste et Shining au niveau de l'ambiance. Et un bon mélange, du coup. Ah ouais, un bon mélange. Et autant vous dire que le film, ça va, je suis très compliqué au niveau films d'horreur, surtout au niveau des films d'horreur récents, parce que bah, je trouve qu'ils se ressemblent tous. Et celui-là m'a empêché de dormir pendant plusieurs jours. Et ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Voilà. D'accord. Merci Tristan. Je crois qu'Alex, tu voulais enchaîner sur. À toi, mon petit. On va peut-être faire une petite pause musicale avant, non? Eh bien, si tu veux, alors je t'invite à nous présenter Stevie Wonder, Superstition, sur Radio Grand Lavaux. Je te fais Stevie Wonder façon nos régions de la disto. Allez. Nos régions de la disto, non pas du tout, mais du coup, Stevie Wonder, Superstition, tout de suite sur Radio Grand Lavaux, 88 FM. La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac 88 FM, c'est moi, c'est Alex, j'ai pris Audrey en otage et surtout Aude. Aujourd'hui, je suis seul à l'antenne, non pas du tout, je suis toujours en compagnie de mes chers camarades qui sont toujours avec moi.
Messieurs, est-ce que vous êtes toujours décédés ou non, vous êtes encore là? Still alive. Toujours là. Tu vas pas te débarrasser de nous comme ça, dis donc, voilà. Alex. Hein, oui. On va s'accrocher un peu plus que ça quand même. Mais on a de t'écouter. Et oui, c'est dommage. Oui, bah, moi aussi, je peux faire un... Non, mais espèce de... Bref, voilà. Mes chers amis, mon cher collègue Tristan vous a donc parlé des films à voir absolument pour ce 31 octobre. Moi, je vais vous parler de la bande originale à écouter pour ces 3 prochains jours. Ou comment réussir à marier dans un même chaudron les morts-vivants, les sorcières, les monstres en tout genre et la guitare distordue et saturée. Mesdames et messieurs, je vais vous parler du Chuck Rock. Le Chuck Rock en français, le SR ou le rock à papa pour les plus vieux. Le Chuck Rock, qu'est-ce que c'est donc que tu me demanderas-tu, auditeur attentif de Radio Grand Lac? Le Chuck Rock est un sous-genre du rock apparu vers la fin des années 60 qui, contrairement à ce qu'on pourrait comprendre, n'est pas une classification musicale proprement parlée. Puisque nous le verrons un peu plus tard, de nombreux groupes différents peuvent se rassembler sous cette bannière horrifique. Le Chuck Rock définit beaucoup plus une attitude scénique, un ensemble de thèmes évoqués dans les lyrics des chansons qu'un style à proprement parler. Et bah pour parler plus concret, Wish, je vais vous parler d'Alice Cooper et Ozzy Osbourne qui rentrent tous les deux dans la catégorie Chuck Rock. Le premier nous distribue un hard rock festif autour de figures horrifiques du cinéma, notamment la figure de Frankenstein, dans laquelle je reviendrai un peu plus. Et le second nous parlera des sorcières et de démons sur un heavy metal beaucoup, beaucoup plus lourd et sombre. Le Chuck Rock, donc, c'est surtout un groupe qui en fait des méga caisses, qui apporte des termes aussi frais et rafraîchissants que la mort sous toutes ses formes, classique, les monstres de fiction ou pas. Moi, j'attends de voir un groupe sur Donald Trump, ça va être super drôle. Les tueries de masse, coucou Marilyn Manson, ça va? Ou alors les sujets un peu plus polémiques comme la sexualité non normée ou la prise massive de substances psychoactives illicites, de la drogue quoi. Pour résumer sommairement, si on a un groupe qui fait du rock assez easy listening, donc du rock assez facile à entendre, qui possède une imagerie forte et identifiable et qui serait capable par sa simple évocation de faire s'évanouir les plus endurcis des membres de Famille de France, de la Manif pour tous ou de notre Christine Nationale, alors on est dans du Chuck Rock pur et dur. Bon, alors si avec ça je vous donne pas envie d'aller déposer une oreille sur ce genre, je sais pas ce qu'il vous faut. Peut-être un autre endroit pour ranger votre balai, qui sait. Voici donc une petite liste de groupes de Chuck Rock, garantie 100% polémique et mauvais goût pour accompagner votre 1er novembre en compagnie de Tati Daniel et de Papy qui fait de la résistance. On commence donc avec le daron du genre, Alice Cooper, qui donc, le mec, continue de décapiter des gens à 70 ans sur scène, il a 50 ans de carrière. Je vous laisse aller écouter son morceau le plus connu, Feed My Frankenstein. Merci Tristan de m'avoir suivi. Non mais les gars, on pouvait pas vous suivre, on a rien compris. On n'arrive pas à suivre, on est largué là. Mais en fait, machin Frankenstein, moi je l'ai pas du tout les gars là. Feed My Frankenstein, en fait, c'est un morceau d'Alice Cooper qui parle de Frankenstein et de la façon dont le nourrir, notamment avec des burgers et de la pizza. Voilà. Excellent régime que j'ai moi-même essayé et qui marche très très fort. Et qui ne marche pas du tout. Ah. Alors, Marilyn Manson, du coup, la terreur de l'Amérique puritaine des années 80-90-2000, joue un fond sur le tableau du satanisme 666. Marilyn Manson ira jusqu'à nommer un de ses albums Antichrist Superstar, l'album sorti en 96. Je ne reviendrai pas sur la fameuse rumeur débile selon laquelle notre chanteur préféré se serait fait enlever des côtes flottantes pour effectuer des trucs chelous avec son bas-ventre, parce que je vous le rappelle, messieurs, on dames, va éviter. En tant qu'animateur... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, on ne veut pas savoir. Non, on ne veut pas savoir. C'est une histoire que tu n'as pas envie de connaître. Voilà. Non, je n'ai pas envie de savoir. Je le découvre et déjà, ça me suffit. Stop. Voilà. Merci. Parce que je vous rappelle, chers auditeurs, en tant que mon rôle d'animateur éthique et responsable de Radio Grand Lac, que si vous enlevez des côtes pour faire ceci, eh bien, vous décédez pour cause de décès. Et nous n'avons pas envie, parce que du coup, après, vous ne nous écoutez plus. Ensuite, toujours, Rob Zombie. Alors, on en a parlé il y a pas longtemps. Lui, c'est la parfaite fusion entre Alice Cooper, donc pour son utilisation de monstres légendaires dans ses textes, comme son morceau Dracula. Et là, tu veux pas nous le faire, le morceau de Dracula, non? Dracula. Moi, ça ressemble un petit peu à Frankenstein. C'est ça. Monsieur, je vous enquiquine. Très bien. Donc, un mélange entre Alice Cooper pour les monstres de foire et Marilyn Manson pour le côté rock industriel. Rob Zombie est tellement passionné pour cette contre-culture du monstre de série Z qu'il va finir par délaisser un peu la musique pour se mettre à la réalisation de films d'épouvante, comme nous a parlé notre très cher Tristan, comme House of the Thousand Corpses ou La Maison des Mille Morts dans la langue de Blanquer. Quelle belle action anglaise. Ouais, dis donc. Mais c'est fascinant. Merci. Attends, j'essaie de m'attraper pour le prochain. Vas-y. Et sa suite est meilleur film d'horreur des années 2000,
The Devil's Reject. Ça va mieux? C'est non, bon non, c'est non, beau. Pas vraiment. Ah bah, moi, je ne suis pas de cet avis, je trouve ça plutôt sympathique. Faut toujours écouter Laurine, voilà. Et ensuite, on va finir par moi, mes coups de cœur. Rammstein, je pense que j'ai pas besoin de les présenter. Groupe de métal industriel allemand que je ne présenterai plus et que je viens donc de faire deux fois, merci Alex. Connu pour un jeu de scène pyrotechnique, genre littéralement, t'as des lance-flammes de partout. Je pense que, pour la petite anecdote, je les avais vus en 2012 à 2011 à l'Altony Garnier. Ils ont réussi à faire monter l'Altony Garnier à 40 degrés. Il devait faire chaud du coup. Oui, ces espèces d'Allemands. Rammstein aussi s'est fait une spécialité de pondre à peu près une polémique par album. La dernière en date. Et celle de l'année dernière, c'est avec le clip de Mindland, où je vous laisserai aller deviner pourquoi il y a eu polémique. L'album précédent, donc Liebes für Alda, avec le morceau Pussy, je ne rentrerai pas plus dans les détails, lol. Et du coup, la dernière, la polémique dont j'aimerais vous parler, c'est celle sur l'album Rise, sorti en 2003. Mais tu parles aussi bien anglais que l'allemand, finalement, alors. Oui, mais je suis polyglotte, qu'est-ce que tu crois? Ah bah oui, là c'est... Donc du coup, je vous laisse avec ça que je voulais clore ma chronique, un petit morceau qui arrive à lier toutes nos thématiques, une chanson qui parle d'un fait divers absolument édifiant, donc on parle d'un cannibale nécrophage, d'un Allemand qui a posté une petite annonce sur Internet. Hey, MDR les gens, je voudrais manger quelqu'un. Et le truc le plus drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a répondu « Ouais gros, viens, mange-moi !» Donc, c'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Et donc, ils en ont fait un morceau. Le clip est ultra esthétisé. Je veux dire, on parle de Rammstein. Je veux dire, pour Rammstein, l'esthétique est presque plus importante que la musique. Et on parle évidemment d'une musique efficace que je m'en vais vous montrer. Vous êtes sur Radio Grand Lac. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est le bazar. Il y a des bonbons qui volent là. Ça vole de partout. Des bonbons, des citrouilles. Il y a bien plein de trucs là. Non, mais c'est la musique d'Alex qui nous a mis le diable au corps. Alex, tu as le démon en toi. Le démon est en toi. Tu as le démon en toi. Merci. Merci. Pourquoi c'est une belle conclusion? Merci en tout cas à toi pour toutes ces explications avant cette pause musicale assez musclée, n'est-ce pas? On sait tout maintenant sur le Choc Rock et on vous posera des questions, chers auditeurs, sur les réseaux sociaux. En attendant, j'aimerais que Laurine nous raconte une histoire mortelle. Oui, alors c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Elisa. Et en fait, c'est un mystère assez récent, enfin, ça date de février 2013. Et c'est donc une étudiante de 21 ans qui s'appelle Elisa, qui a été retrouvée flottant dans une réserve d'eau sur le toit d'un hôtel à Los Angeles. Elle avait été portée disparue et c'est un réparateur qui l'a trouvée alors que les hôtes se soient plaints d'un goût bizarre dans l'eau. Quelle horreur! Oui, là, c'est le cas de le dire, mais... il n'y avait aucun signe de traumatisme sur le corps, pas de traces de drogue dans son système. La mort a donc été classée comme une noyade accidentelle. Mais ce qui rend cette histoire particulièrement dérangeante, c'est cette vidéo réquisitionnée par la police, la vidéo de la vidéosurveillance du toit. De l'ascenseur. Et je pense que vous pourrez trouver cette vidéo assez facilement. Sur YouTube. Elisa Lam, oui. et vous verrez cette vidéo. Je l'ai regardée, elle est assez effrayante. On la voit qui panique, elle essaye de se cacher alors qu'il n'y a personne en fait, il y a juste elle. C'est elle flippant. Sort de l'ascenseur, elle re-rentre, elle appuie sur tous les numéros des étages et en fait ils se sont demandé si son comportement il venait pas de tendance schizophrène qui était inconnue, qui lui avait pas été donné, mais finalement ils se sont rendu compte que l'accès au toit était condamné, protégé par une alarme et puis que les murs du réservoir étaient si hauts et la porte était si lourde que les travailleurs ont dû se mettre à plusieurs pour ouvrir la porte et sortir son corps. Donc comment a-t-elle pu rentrer dans le réservoir et refermer la porte après elle? C'est quand même assez fascinant ces histoires, d'autant plus qu'on se dit qu'elle n'avait aucune drogue dans son système, ni alcool. Donc on ne sait pas du tout comment elle s'est retrouvée là, pourquoi elle avait peur dans l'ascenseur. C'est une histoire quand même, moi, qui me fait assez peur. Absolument. Après, on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est quand même quelque chose qui fait peur. Hein. C'est terrifiant et ça s'ajoute à de nombreuses histoires dont le mystère ne s'éclaircira jamais et qui nous mettent des frissons dans tout le corps. Audrey, tu voulais aussi nous raconter une histoire assez glauque aussi. Oui, alors c'est une apparition, c'est un témoignage qu'elle a fait, donc je vais vous lire son propre témoignage. Je me souviens très bien de ce moment, je venais d'arriver en France, j'habitais dans un petit village de Bourgogne, il était 3h du matin environ, je me réveille pour aller aux toilettes. Comme toute personne au réveil, je suis dans les vapes, mes yeux à moitié ouverts, je vois flou. Les toilettes se situent juste en face de la porte de la chambre, séparées par un long couloir qui mène vers l'entrée de la maison.
Pour accéder aux toilettes, je devais donc traverser le couloir en largeur. Après avoir fait mes besoins, je retourne me coucher, sauf qu'au moment de traverser pour retourner dans ma chambre, je m'arrête. Et j'ai vu une silhouette noire au bout du couloir vers l'entrée. La silhouette se dirigeait vers la sortie. Il faisait nuit, je ne voyais rien de loin, je voyais très très flou. Une voix émane de la silhouette et me dit dans ma langue maternelle « Tu fais quoi ? Va te rendormir, il est tard. » d'un ton pressé et j'ai reconnu la voix de mon père. Cependant, à l'époque, mon père travaillait très loin de la maison et ne rentrait jamais vers 3h du matin, mais plutôt dans l'après-midi. Il passait la nuit sur son lieu de travail, mais naïvement, je me suis dit « Ah, il est rentré tôt cette fois, c'est génial, tant mieux. » Je continue donc mon chemin, je retourne me coucher. Le lendemain, au réveil, je demande à ma mère où était mon père, car je ne l'avais pas vu rentrer et il n'était pas là. Et sa mère lui a répondu tout simplement « Mais t'es totalement folle, ma fille, ton père est au travail depuis hier soir. » Ça n'était donc pas lui. Encore un mystère. Oui. Mais peut-être qu'elle rêvait, tout simplement. Peut-être, ou peut-être que c'était lui en fantôme, finalement. Oui, peut-être qu'il était décédé pendant voilà. la nuit. On ne sait pas. Plein de possibilités, finalement. Ouais. C'est chaud, quand même, comme ouais. genre d'histoire. Ouais. On n'a plus envie de se relever la nuit. Hein. On non, on préfère faire avant. Mais ceux qui en voudraient plus, justement, des petites histoires comme ça, ou qu'on appelle maintenant... creepy. Alors, ça m'énerve qu'on les appelle comme ça, mais bon, on appelle ça des creepypasta. Pourquoi tu pas... vends des pots de chambre. Je... non, malheureusement... voilà, on appelle ça maintenant des creepypasta. Pourquoi oui. creepypasta, je ne sais pas, c'est pas grave, on s'en fout. Moi je sais. Tu nous le diras quand j'aurai fini mon annonce. Et vous pouvez aller voir sur internet ou sur YouTube, il y a plein de petits conteurs qui les racontent et qui ont un talent certain pour les raconter et vous mettre un peu la flip, comme on dit. D'accord, Alex, voilà. Tu voulais nous expliquer l'origine de creepypasta, c'est ça ? La creepypasta, en fait, à la base, ça vient d'internet et ça vient d'histoires qui s'appelaient des copypasta. Donc copy-paste en anglais, donc des histoires copier-coller. D'accord. Donc à la base, c'était juste des histoires, on va le dire, un peu à la con. Et du coup, après, ça s'est passé sur des histoires un peu plus étranges. Donc on est passé de copy à creepy. D'accord. Pour donner les creepypasta. Ah, oui. Et ce qui a donc donné les pâtes un peu crêpes. J'ai pas de vanne. Voilà. C'est raté. Raté, dommage. Effectivement, il y a tout un tas de choses ouais. insolites hein, qu'on peut maintenant retrouver sur le net. Sullivan, toi, tu voulais nous reparler de nombreuses morts insolites. Moi, j'en ai plein à vous raconter. Des morts stupides, comme si la mort était intelligente. Mais effectivement, il y a des morts plus ou moins... Il y a des trucs quand même. Effectivement, incroyable. Des champions, là, quand même. Alors là, on a affaire à des champions. Et en fait, on a affaire à Paul Stiller et sa femme. Donc ils sont morts dans une ville qui s'appelle Andover Township, donc ça certainement en Angleterre ou au Royaume-Uni, par un bâton de dynamite qui a explosé dans leur voiture. Je la connaissais. Mais comment c'est possible ? Eh bien écoutez, tout simplement parce qu'ils s'ennuyaient à 2h du matin dans leur voiture. Pourquoi pas faire exploser un bâton de dynamite ? Mais c'est précisément ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, tiens, si on allumait un bâton de dynamite et qu'on le jetait par la fenêtre, sauf que la fenêtre était fermée. Et voilà. Ça donc du coup, c'est pas possible. Mais on se demande si les gens le font exprès, en fait. Et boum, c'est terminé. Alors là, pour le coup, ça a dû être quand même assez rapide, malgré tout. Après, j'en ai encore une autre. Tué par un faux téléphone, donc Hickory Daily Record Ken Charles Barger. Oula. Donc c'est le nom de cette personne tout de même. Ah, d'accord, ok. C'est, Je pensais que c'était une ville. On l'appelle Hickory seulement, d'accord, ok. Voilà, appelons-le Hickory. Il a 47 ans, il s'est tué. Il a 47 Merci, ans, il s'est tué quand le téléphone le réveilla à son domicile à Newton, NC. En pensant attraper le combiné, il a attrapé son Smith & Wesson 38 spécial. Oh non. Donc c'est un revolver. Hein, et il s'est tiré donc une balle dans l'oreille. Merci et bien à toi, très cher Hickory. J'en ai un autre qui est incroyable. Alors lui, c'est un champion quand même. Mais attendez, aussi. Mais j'en ai d'autres des champions. Mais en même temps, tu t'endors pas avec ton arme à côté de ton téléphone. Ouais, quoi. Mais c'est aux États-Unis, là, c'est pas. Que, voilà, priori, parce que sur un malentendu, ce qui d'ailleurs a été le cas, ben, c'est fatal. Et ben, il a voulu décrocher. Bon, malheureusement, le coup est parti. Allô, Pep. Tué par du Coca-Cola. Donc, Mahmoud Folly. Ah, un autre nom bizarre. Pourquoi en fait, pas. Ce ne sont pas que les morts qui sont bizarres. C'est aussi leur nom. Alors voilà, cher auditeur, si vrai. Tu as un nom bizarre, fais attention à toi ce soir. Un jeune barman, ce soir, du coup. Un jeune barman de 22 ans a été abattu par un gangster pour avoir accidentellement débarrassé trop vite le verre du consommateur. Ah, oui. Donc en gros... Ah, j'avais lu ça. Oui. Ah ouais, on a le serveur qui débarrasse le verre du gangster. Le gangster dit, attends, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai pas demandé de l'enlever et tout ça. Donc, il lui a filé la frousse de sa vie. Et donc, le gangster l'a obligé à boire 27 litres de coca. C'est pas vrai. Ce qui lui fut évidemment fait. Alors, 27 litres. Si vous m'entendez, si vous avez du coca en face de vous,
N'envoyez jamais 27 litres d'affilée dans votre corps. Généralement, ça va. Même un litre, on évite. Un litre, c'est déjà chaud. Ouais. Surtout quand on sait ce que ça fait, le ouais, coca, voilà. ça fait des dégâts. C'est Mentos plus coca qui fait égal boum. Là, ça fait boum. Ouais. Ça fait boum. Alors, mort à cause d'un timbre manquant. Donc, alors, ça, celle-ci, elle est magistrale. Un homme a ouvert une lettre piégée, mais qu'il avait envoyée lui-même. Parce qu'il l'avait envoyé et qu'il manquait un timbre, donc la poste lui a renvoyé. Il s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette lettre? Il l'a ouvert, c'était la sienne qu'il avait envoyée. Au revoir, oh, merci pour tout. Mais c'est ballot. Il a pas reconnu son écriture, il a pas reconnu son enveloppe, il a rien reconnu du tout. Donc voilà, il a voulu tuer quelqu'un. Bon bah, il manquait un timbre, malheureusement. Un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé. D'accord. Ouf. Alors on sait pas pour quelle raison il a fait ça. Sauf que, accompagné de son chien de chasse très bien dressé, celui-ci lui a rapporté. Et voilà, adios, monsieur de l'Alaska. Mort à cause de l'ambiance gonfleur, celle-ci aussi, elle est épique, elle est assez connue. Un révérend brésilien, il a essayé de battre le record du plus long vol accroché à des ballons de baudruche. Vous vous rappelez ce que c'est qu'un ballon de baudruche? Vous savez, oui, ces trucs là, ok? Un ballon de baudruche. De baudruche. De baudruche. Oui, de baudruche, oui, tout à fait. Absolument. Bien joué. Elle est belle. Pendant 19 heures, il a été harnaché à 1000. Vous vous rappelez du film Là-haut? Oui, exactement. Et ben lui, il a fait la même chose. Sauf que là, c'est pas la maison, c'est le mec. C'est lui, tout seul. 1000 ballons, d'accord, gonflés à l'hélium. Okay. Le gars est monté pendant 19 heures. Évidemment, personne l'a retrouvé. Pas du moins, pas tout de suite, parce qu'on l'a retrouvé 3 mois plus tard. Devait être dans un sale état. Ouais, on est voilà. Donc, en état de décapitude, certain, ouais. Pourquoi pas? Mais en tout cas, le gars était sûr de lui, quoi. Donc après, bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Mort à cause d'une vache. Un employé d'une laiterie, ayant entendu dire que les flatulences bovines étaient en grande partie composées de méthane et potentiellement explosives, s'est dit, ça serait quand même marrant si on craquait une allumette. Donc voilà. Le monsieur en question s'est approché de la vache, a craqué une allumette, et évidemment, donc, il y a eu un petit paix qui aspira. On préfère pas imaginer la scène. Donc, la vache a explosé. Oh non, c'est pas vrai. Mais c'est tellement glauque. Et a tué le gars en question. Et a tué le gars. Ah, mais une vache qui explose, à mon avis, quand même. J'en ai une qui me vient en tête dans le même genre de mort. Un éléphant qui est constipé dans un zoo. Le mec va pour le soigner. Enfin, pour essayer de lui faire ce qu'on appelle communément chez l'humain un toucher rectal. Évidemment, ça a sorti. Bam! Mec est mort sous une tonne de défections. Oh, et vous êtes sûr de croire avec 88 FM jusqu'à 18h. Voilà. Non-stop. C'est très fin, là, j'ai remarqué les anecdotes. Bah, alors, après, les Darwin Awards, faut pas chercher. Ouais, c'est vraiment les derniers mois, c'est vraiment les morts les plus bêtes. Je vous raconterai encore deux ou trois autres. Amis de la poésie, bonsoir. Vous avez quand même des sources bizarres, les garçons. Hein. Quand parce même. Qu'on est les garçons, voilà, c'est pour ça. Moi, j'en ai une aussi, une demande en mariage mortelle. Hein. On a pu voir ça à la fin de l'été. Il me semble que c'est un couple d'Américains. Voilà, un jeune couple qui souhaitait partir en vacances en Tanzanie, ce qu'ils ont réalisé donc en début septembre. Et ils sont allés s'installer dans un hôtel de luxe afin de passer la nuit dans la chambre sous-marine. Donc, comme vous le comprenez bien, c'est vraiment une chambre qui est sous l'eau. J'imagine, doit être vitrée pour pouvoir voir le fond de l'océan, etc. Donc, ils ont déjà dû payer très cher pour pouvoir accéder à cette chambre. Mais c'était bien calculé, planifié, puisqu'effectivement, le jeune homme voulait demander à cette occasion la main de sa chère fiancée. Ce qu'il a fait dès le lendemain matin, il a rejoint la plage avec son petit papier qu'il avait préparé, bien fermé hermétiquement tout. Il a plongé, donc jusqu'à pour atteindre la vitre transparente de cette chambre dans laquelle son ami était sûrement là, je ne sais pas, à admirer en tout cas... les poissons. Pas prendre le soleil, puisque donc elle était au fond de l'eau, n'est-ce pas? Et donc il est venu lui placarder cette affiche, sa demande en mariage qu'il avait écrite pour elle. Et en commençant par ces mots, je n'aurai jamais assez d'air pour pouvoir t'expliquer de cette manière, là où je suis, tout l'amour que j'ai pour toi, mais juste te demander aujourd'hui ta main. Et je ne sais pas si elle a eu du mal à le lire, si ça a pris du temps. Toujours est-il que là, le drame, la terreur, la torpeur, la stupeur, et surtout le manque d'oxygène ont eu raison de lui, puisqu'il en est mort. Donc à peine avait-elle dit oui qu'en fait elle a vu son mari, futur mari, mourir sous ses yeux. C'est horrible. Non, mais c'est horrible. C'est tragique, surtout. C'est tragique. Ouais. Je préfère quand même les Darwin Awards. C'est génial. Oh non. Ah non, bah tu peux non. Pas dire ça, Alex.
Bon, histoire de reprendre un petit peu ses esprits, on va repartir sur une nouvelle pause musicale. On vous invite à écouter un titre extrait du film L'étrange Noël de Monsieur Jack, yes. This is Halloween sur Radio Grand Lac. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Grand Lac. Bienvenue sur Radio Grand Lac. Si vous nous rejoignez, il est 17h30. Nous sommes toujours dans notre émission en direct, dans la dernière partie, jusqu'à 18h. La dernière demi-heure. La dernière demi-heure, tout à fait, Laurine. Déjà, malheureusement. Tiens, Malorine, tu m'as dit que tu avais une histoire à nous raconter. Oui, il m'en reste une. Mortelle, morbide. Un peu plus longue, celle-là. Un peu plus longue. Un peu plus longue, mais très... Alors, maman, arrête, s'il te plaît. Ah, et ben voilà, c'est donc passé à l'antenne. Eh ben oui, il fallait, parce que sinon, elle ne s'arrête pas. Non, l'histoire horrible, ce n'est pas sa maman, c'est autre chose. Non, non, elle est loin d'être horrible, ma petite maman. Mais oui. Bon, en fait, non. Alors là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'horrible. C'est un homme qui a tué toute sa famille, malheureusement. C'était le 13 novembre 1974. Mais c'est l'histoire d'Amityville, ça. Non, c'est pas Amityville, le film. Écoute, non. Non. Alors, vas-y, raconte. Je ne crois pas. Pardon, je... mais c'est alors, on va l'appeler Ronald, parce que je ne sais pas comment on prononce, donc Ronald. Hein, Ronald. Parce que le nom est très long, donc on oui, va l'écourter. Toujours des noms bizarres dans cette donc, émission. Donc, Ronald a assassiné de sang-froid 6 membres de sa famille. La mère, Louise, 42 ans, leurs 3 enfants, Allison, Mark et John Matthew. Et du coup, lui, après, c'est très glauque. Bref, la tragédie s'est déroulée au désormais célèbre 112 Ocean Avenue à Amityville. Ah bah voilà, voilà. Amityville. Tu vois, finalement. Tu vois. C'est l'histoire du film, effectivement. Oui. Je peux lui dire, elle n'est pas si blonde que ça, tu peux le dire. Écoute, non, j'ai préféré m'abstenir. Un an plus tard, la famille Lutz achète la maison, du fait de son bas prix, du coup. Mais George et Cathy Lutz n'y habitèrent finalement que 28 jours, suite à une série de faits paranormaux. Un chien suicidaire, des demi-têtes de démons apparaissent dans des endroits de la maison. Oui. Des empreintes de sabots fourchus dans la neige, des objets en lévitation, c'est vrai que c'est des choses qui font peur. Enfin, moi, j'aimerais pas habiter là, personnellement. Et donc, Ed et Lorraine Warren, un couple de la Société pour la recherche psychique de la Nouvelle-Angleterre, reconnu par l'Église, ce sont les héros des films Conjuring. Vous pouvez arrêter de m'embêter. Non, parce que voilà, se sont rendus dans la maison pour se rendre compte du phénomène à la demande du juge qui souhaitait statuer sur l'état mental de Ronald, qui criait à l'emprise du démon. Dès leur arrivée dans la maison du diable, comme elle est appelée, ils ont senti une atmosphère très sombre pendant que Lorraine, la médium, examina le contact avec les... Enfin, essaya de rentrer en contact avec les esprits de la maison hantée. Un membre de l'équipe se serait évanoui et deux autres auraient eu de sérieuses palpitations. Il y a des photos aussi qui sont en rapport justement avec cette maison. On y voit des enfants sur les photos, alors qu'il n'y avait pas d'enfants dans la maison à ce moment-là, quand ils sont allés la visiter pour faire état de ce que le juge avait demandé. Il n'y en avait pas, pourtant sur la photo, on voit des enfants, c'est assez flippant. De plus, l'enfant qu'on voit sur la photo, il ressemble beaucoup avec un des fils qui a été tué. Et cette histoire est à ce jour l'une des plus mystérieuses et les plus médiatisées des histoires paranormales au monde, avec également le cas de la maison hantée de Enfield en Angleterre. Et voilà, c'est quand même d'accord. Très bien, merci Laurine. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Tristan, des mystères liés au film, enfin des mystères tragiques, quoi, liés à la cinématographie. Ouais. Là, effectivement, on a eu le bel exemple de ce que vient de nous raconter Laurine, d'Amityville, effectivement. On parle de cette histoire de maison hantée où les habitants de cette maison pètent un plomb et finissent par vouloir avoir envie de tuer tout le monde. On est bien dans le thème d'Halloween. Voilà, n'est-ce pas ? Merci, Laurine. Du coup, je reviens très vite fait sur Ed et Lorraine Warren, qui ne sont pas des... Non, mais allez, allons-y. Qui ne sont pas... Excuse-moi. Il a été interrompu. Qui ne sont pas des légendes, ce sont des gens qui ont réellement existé. Voilà, des histoires vraies. Ouais. Voilà, donc ça fait encore plus froid dans le dos. Ça fait encore plus froid dans le dos, oui. Et quand on parle de maison hantée, c'est évidemment pas la forme de la maison. Hein. C'est vraiment les esprits qui sont là. Okay. Non, mais je viens de comprendre. Là, on peut applaudir Sullivan. Oh. Okay. Merci de cette intervention. Je serai tous les au gymnase de la Motte Savolex. Tous les dimanches à 14h30. Sullivan, tu voulais nous raconter des petites choses assez rigolotes encore sur... Je voulais vous faire un petit quiz. Les épisodes. Ah oui, alors
Ou là, après, ou les épitaphes, oui, je pensais que tu voulais nous parler d'épitaphes. Alors, on fait précisément ce que tu veux. Eh, écoute, on peut parler des épitaphes, en effet. Alors, dis-nous ce que c'est, parce qu'effectivement, il y a plein d'auditeurs qui peuvent se demander. Donc, voilà. Ça signifie, donc, épi, donc, c'est vient du latin épi, donc sur, et taf, donc taphos, le tombeau. Donc, c'est sur, ce sont les inscriptions qui sont inscrites sur une pierre tombale ou sur une sépulture, ok? Donc, il y en a quelques-unes qui sont célèbres. Donc parmi celles qui sont faites, qui ont été dites par des porte qui grince dans le studio. Ah là, mais ça ouais. Alors, du coup, comme là je suis en train de parler des épitaphes de personnes qui sont en train de ça fait très peur. Assister. Ça ne va pas du tout. Ah, pas possible. Voilà. On a encore peur. Une attaque. Wow. Qui se cache derrière ce masque? En direct. On a The Mask qui vient de nous faire. C'est vraiment flippant pour le coup. Ah oui. Le masque est flippant. Ah non, mais ça nous laisse perplexes. Hein. Perplexe. Ouais. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Est-ce... Il me semble que c'est un animateur. Je pense. Du vendredi soir. Oh oui. Oh. Ah, je vois. C'est Laurent. Ce serait du pas celui qui fait l'acoustique club. Lolo, tu vas avoir un gage de nous faire peur comme ça. Ah mais non, mais on est dans le thème finalement. Ah bah on va vous le prendre en photo et on va vous mettre ça sur la page de Facebook. Ah ouais. Prenons-le en photo, c'est parti. Voilà. Heureusement, voilà, c'était juste le masque, pas d'armes. Bienvenue à toi Lolo. Rejoins-nous autour de la table. On te laisse enlever ton masque et te mettre autour de devant un micro. Il fait chaud là-dessous. Hein. C'est le... Ah voilà, c'est le son d'Alex qui l'a fait venir en fait. On revient sur l'explication du coup, Sullivan. Du coup, on en était aux épitaphes. Sur les épitaphes. Alors, les épitaphes, dans ce que je disais, donc effectivement, donc, ce sont des inscriptions qui sont sur des pierres tombales, voilà. Ou sur une sépulture. Okay, donc il y en a qui sont célèbres, d'autres qui sont rigolotes. Il y en a une, moi, qui me plaît beaucoup. Donc sur une pierre tombale, il y a un monsieur qui a écrit, et je vous l'avais bien dit que j'étais malade. Ah oui, elle est connue celle-là. C'est quand même. C'est... Non, mais c'est ça rajoute une touche d'humour. La belle dérision, c'est tragique. L'autodérision. Ça dédramatise en effet. Voilà, l'autodérision post-mortem, c'est fort ça. Ah, c'est beau. Il y en a d'autres qui sont partis a priori ensemble et donc du coup ont finalement marqué ensemble sur la pierre tombale. Nous avons finalement trouvé une place pour nos guerriers à Paris. Ah, pas mal. Beau trait d'humour aussi. Joli, ouais. Mmh. Voilà, après, vous avez aussi un passe, ne pas rentrer. Bon, ça, on s'en serait douté. Oui, il vaut mieux éviter. Un autre qui a écrit « Excusez-moi de ne pas me lever ». Voilà. Ah, oh, ouais. Il y en a un autre qui a écrit « J'ai élevé 4 magnifiques filles avec une seule salle de bain. Et il y avait quand même de l'amour. » C'est vrai que finalement, quand on y pense... et beau. Bruno Kremer, vous savez, c'est celui qui a interprété l'inspecteur Maigret à la télé. Donc, je sais pas pour. Oui, je vois, ouais. Donc, l'inspecteur Maigret à la télé, il a écrit sur sa pierre tombale : ceci est un trou de mémoire. Voilà. Oh, pas mal. Ah, pas mal. Bien. Je trouve ça plutôt classe, effectivement. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? Ah, ouais, il y en a une qui m'a beaucoup plu, c'est celle d'un soldat qui a fait le Vietnam, un soldat américain. Lorsque j'étais dans l'armée, ils m'ont donné une médaille pour avoir tué 2 hommes, ainsi qu'une décharge pour en avoir aimé un. Et car ce soldat était homosexuel. Donc je trouvais que le message était très beau. Surtout pour l'époque en plus. Oui, surtout pour l'époque, comme tu dis. Et la dernière, c'est celle de Ciné. Vous savez, c'est le dessinateur caricaturiste qui a notamment bossé pour Libération ou l'événement du jeudi. Et donc vous retrouvez à Montparnasse, donc sur sa pierre tombale, mourir, plutôt crever. Pas mal. Vrai ciné. Voilà, c'est tout pour les épitaphes. Merci Sully. On propose donc ton quiz après la petite pause musicale. Allez, avec plaisir. Je voulais juste saluer donc notre animateur Lolo, qui est maintenant démasqué, qui nous a rejoint. Qui nous a fait une belle frayeur. Dans le studio. J'adore les portes qui grincent. En tout cas, on y a cru, hein, l'espace d'un temps. En plus, on vient de parler de choses un peu bizarres, mystérieuses et tout. Et là, franchement, j'avoue que tu nous as fait peur. Ouais, ça a bien collé pour le coup. C'était le but. Voilà. On rappelle, Lolo, que tu animes une émission tous les vendredis soirs. C'est ça. À partir de 20h, si je me trompe 20h, pas. 20h, 21h30, voilà. Music by Lolo. Music by Lolo. Voilà, découverte ou redécouverte des groupes pop-rock des années 70 à nos jours. Voilà, il y a un setlist d'une vingtaine de chansons où voilà, je donne un petit peu l'histoire des groupes ou l'anecdote de la chanson avec du cover, du live, du remix et puis toutes les nouveautés pop-rock que je trouve sur Internet ou ailleurs. Voilà, et puis une deuxième émission voilà, qui est... L'Acoustic Club dont tu veux parler? Oui, tout à fait, voilà. Ouais. L'Acoustic Club, donc un vendredi sur deux, on en alternance avec mes amis de Les Régions à la Disto. Yeah, yeah. Voilà.
Donc là, c'est... Par contre, nous, on démarre plutôt 22h, parce que moi, oui. Je finis à 21h30. Après, il y a tous les réglages audio qui doivent se faire. Voilà. Ouais, donc, on fait un 22h, 23h30. Donc, on en a déjà fait deux groupes locaux. Et puis, pas ce vendredi, mais vendredi prochain, on reçoit Ricky James, donc un artiste guitariste autodidacte de Chambéry. Oui. Voilà, qui est déjà venu dans l'émission pour Zikomatic l'année dernière. D'accord, donc ça c'est dans 15 jours. Ouais, dans 15 jours, ouais, voilà, on le reçoit vendredi 8, on sera le 8 novembre. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de demain? Alors demain c'est férié. Oui, mais je serai là quand premier même. 1er novembre, voilà. Jour de tous les saints. Voilà, voilà donc, tout à fait. Ouais, bah, tu proposes ton émission à 20h, Music by Lolo? À 20h, oui, ça y est, la playlist est faite. Oui. Encore quelques tests à peaufiner d'ici demain soir. Quelques pistes de quel artiste tu vas nous parler demain? J'ai quelques... Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Il y a un petit remix de Dépêche Mode. D'accord. Thierry voilà. Mathieu, non? Non, il y a un petit remix de Live in Silence que j'adore. Je sais plus. Hein, parce que j'en ai préparé plusieurs, donc du coup, j'ai peur de mélanger mes sources. Mais il y a aussi Midnight Breakfast, qui est une nouveauté de Californie. Il y a The Cannons aussi, voilà, des petites nouveautés. D'accord. Et puis un petit standard, la semaine dernière, j'avais mis du Super Tramp. Là, je vais sûrement remettre un autre standard des années 70-80. Voilà. Voilà, le mieux, c'est de venir vous brancher sur le 88 FM demain, à partir de 20h, pour Music by Lolo. On va repartir sur une petite pause musicale avant d'enchaîner le quiz avec Sullivan. Alors attention, restez bien branchés pour ce quiz et essayez de trouver toutes les réponses. Et je passe le micro à Sandra pour nous lancer la prochaine musique. Je m'appelle Audrey. Oh. Bonjour Sandra, ça va? C'était presque ça. Ça va très bien. J'étais promue d'un coup, mais non, je m'appelle pas Sandra. Et on repart en musique avec Rihanna et Eminem The Monster sur Radio Grand Lac. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. T'es Radio Grand Lac 88 FM, vous êtes toujours à l'antenne. Bon, je ne suis pas Aude, je ne suis pas blonde et surtout, je ne suis pas une femme, mais du coup, je suis Alex et je suis de retour à l'antenne avec mes chers osios. Dis-moi Aude, est-ce que merci tu es avec Alex. Moi? Oui, merci Alex, je suis là, je suis ravie d'être encore là avec vous jusqu'à 18h en direct et une équipe mortelle autour de moi pour animer cette émission. J'ai envie qu'on reparte voilà, sur le deuxième quiz hein, que Sullivan, tu nous as proposé déjà tout à l'heure en première partie. Alors, les méchants Disney part 2. Ça vous va? Les méchants de Disney, deuxième partie. On y va? De Monaco. Et moins de points pour la disto. Non, d'où? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. On est prêts. Ok. Skinner est le méchant d'un Disney qui se passe à Paris. Précisément dans le restaurant de Gusto. Ah, Ratatouille. Ok. Oh, je l'ai pas vu. J'ai pas le directeur. J'allais la voir. Ça allait. Je l'ai pas vu. C'est quoi ce chapeau? Skinner, ça joue dans les Simpsons, mais c'est pas vraiment, vraiment un méchant. Et son ami s'appelle Linguini. Linguini, exactement. Tout à fait. Alors, c'est formidable. Ouais, mais pour lire ce truc, c'est compliqué. Ok, les gars, alors, si je vous dis Shere Khan, vous me répondez. Le livre de la jungle. Non, mais attendez, les gars. Si je vous dis Shere Khan, vous me répondez. Scar. Comment? Scar. Mowgli. Ah bah oui, le Mowgli. Livre de la jungle. Oui, bah, Mowgli. Tous en même temps, c'était inaudible. Bah, le livre de la jungle. Ok, le livre voilà. De la jungle. Et bah tu sais quoi? C'est pas pour ça. Audrey. Voilà. Ouais, ah bon. Okay. Ah ouais. D'accord. Ok. Exactement. Bon, ok, les gars, si je vous dis la reine de cœur. Ah, Alice au pays des merveilles. Ah, bien joué. Ouais. Il m'a regardé avec un regard un peu méchant, Alex. Donc je lui donne le point. C'est ça. C'est Alice au pays des merveilles. Mais tu vas morfler, Sullivan, la prochaine fois. Je me suis pas senti de ouf, là, bonjour. Alors, quelle méchante Disney jette un sort à Aurore? Quelle méchante? Ah, la Belle au bois dormant. Non, la méchante. Ah, bah oui, mais je sais pas. On cherche la méchante. La méchante, tu l'appelles comment? Maléfice. Non, Maléfique. Maléfique, en effet, c'est Maléfique. Moi, j'aime bien envie de faire une équipe de garçons et une équipe Angelina de filles. Angelina Jolie. Ah, hein enfin, garçon. Donc, coup, ah oui, c'est Angelina Jolie qui joue ce rôle. Ah oui, exactement. Trop belle. On est à 3-1 pour les filles. Alex. Cesse ces bruits intempestifs. Désolé. C'est ça. Allez, maladie, on enchaîne. Dans Blanche-Neige, la sorcière pour empoisonner... C'est la belle-mère, la marâtre. Ouais, exactement. Non, attends. Moi, je cherche... La pomme, la exactement. Pomme. En fait, les gars, je vais te poser des questions. Je vais juste faire à Blanche-Neige. Et là, il a trouvé Laurent. Laurent, ça fait 5 points. Parce que du coup, oh bah, oh, non, mais dis donc. Et il arrive direct. Donc, ça fait 3-2 pour les filles, toujours, ok?
Donc effectivement, chercher la pomme qui empoisonnait Blanche-Neige. Dans La Belle et la Bête, comment s'appelle le méchant qui veut tuer la bête par jalousie? Gaston. Oh là là, les gars. Non, mais ils ont révisé tout l'après-midi. Mais vous avez rouillé sur La Belle et la Bête toute votre vie. Il répond bien que sur les Disney, on marquera. Et que sur les trucs de princesse. Ah, c'est chelou, hein. Ça veut dire quelque chose. Vous connaissez par cœur les films de princesse, les gars? Ça cache des choses. Ouais. Je redis ce que j'ai dit avant, c'est juste que c'est... sorti, j'étais gamin, quoi. Donc forcément. Ça s'appelle la culture, c'est tout. Hein. Et puis j'ai deux petites sœurs, donc forcément, c'était c'est le genre donc de film que j'étais obligé de l'y bouffer. Je vais vous poser une question qui est hyper difficile. Quel est le nom de la marâtre dans Cendrillon? Si celle-ci vous la trouvez, franchement. La mère Gothel. Non. La mère Gothel. Non, mais non. Comme non, tout non, à l'heure. Non, non, c'est pas possible. Réponse, eh bien, c'est du coup, c'est comme tout à l'heure, c'est non. Non, la mère Gothel, c'est dans réponse. C'est dans réponse. Franchement, si vous trouvez celle-ci. Un indice. Allez, Lady. Lady Smith, non? Lady Smith, Lady Smith. Non, eh ben non, pas ça. Non, Lady Smith, c'est une femme. T'as Laurent. Lady d'Arbanville. Pas exact. Alors non, ça n'est pas Lady Bangoville. Lady Marmelade. Lady Tremaine. Ah oui. Je pense que personne n'aurait trouvé. Oui, tout à fait. Oui, mais maintenant que tu le dis, effectivement, Tremaine. Peut-être que les auditeurs avaient trouvé. J'imagine qu'il y avait forcément un auditeur qui a dû trouver. La sorcière Ursula de La Petite Sirène. Oui. Et mi-humaine, mi... Poulpe. Ça marche, poulpe. Poulpe, pieuvre, très très bien, bravo. Par contre, c'est vrai que sorti de son contexte, dire poulpe comme ça à la radio, bon, c'est quand même assez étonnant. Et dans Mickey. Dans Mickey, patibulaire. Il n'y a pas de méchant dans Mickey. Il y a un gars qui n'est pas très très cool. D'ailleurs, Picsou. C'est pas un gars d'ailleurs, c'est un animal. C'est patibulaire. C'est un chien. Et c'est un chien, Laurent, bravo. Exactement, il y a une remontée, une cavalcade incroyable de ces garçons qui reviennent à égalité avec les filles. Donc du coup... J'ai une dernière question à vous poser. C'est impro total. Donnez-moi le nom de l'attraction la plus terrifiante de Disneyland. Le Space Mountain. Mountain à droite. Oui. La Tour de la Terreur. La Tour de la Terreur. Et comme la présidente me l'a soufflé dans l'oreille et que je n'ai pas d'avoir problème avec la présidente, c'est donc les filles qui gagnent. Ah, bravo. Évidemment. Bravo à tous. On a gagné. On s'est tiré d'un film d'horreur, d'une série d'horreur. Ah ouais. Voyage dans la quatrième dimension. Ah oui, c'est vrai, ouais. Au début de l'attraction, il y a un film qui te font passer voir. La cinématographie, c'est... Ah oui, c'est très incroyable. Bizarre. Une famille disparaît dans un ascenseur et après, t'es là, tu tombes. Ah oui. C'est sympa. D'ailleurs, la musique, voilà, fait partie de notre jingle de ce soir que vous avez pu apprécier tout au long de ces deux heures d'émission en direct. Alors, nous avions quoi pour les fins connaisseurs? Nous avions la quatrième dimension dans ce jingle. On avait les dents de la mer, si je me souviens bien. Ouais. Qui se souvient du reste? Moi, je me souviens. On avait le A A A A A A A de Michael Jackson. Ah oui, dans Thriller. Dans Thriller. Ouais, j'ai mieux pas voulu le mimer parce que ça aurait pu être gênant. C'était bon. D'ailleurs, on n'en a pas tellement parlé, mais Thriller, effectivement, quand c'était sorti, moi je me souviens, j'étais toute petite et j'avais été mais effrayée par ce clip qui montrait les zombies, les morts vivants pour la première fois comme ça à la télévision. C'était vraiment le premier clip très très abouti de l'histoire de la musique. Ouais. Je m'en souviens bien. Voilà. Merci pour ce quiz que nous avons gagné, en plus, haut la main, on peut le dire. Haut la main. Est-ce qu'il te reste une petite info carrément sur une mort insolite avant de se quitter? Alors, j'en ai une ou deux à vous donner qui sont un peu plus... qui sont toujours aussi insolites. Oui, pendant que tu... Non, mais oui, tu as... Surprise, oui, parce que pendant que tu cherches, je voulais revenir sur l'info de Marc Dutroux. Tout à l'heure, j'avais dit que je voulais vous en parler. C'est une info, moi, qui me fait froid dans le dos, si je peux me permettre. Effectivement, voilà, ce nom parle à tout le monde, évidemment, à quelque chose. Un grand criminel qui a tué six petites filles. Enfin, il a violé six petites filles, pardon, et il en a tué quatre en laissant mourir deux de faim, charmant, dans les années 90. Tout ça s'est passé en Belgique et depuis, il est en prison. N'empêche que la mauvaise blague du jour, c'est qu'il demande sa remise en liberté conditionnelle et que, afin d'étudier ce cas, on demande une évaluation de sa condition psychiatrique. Et effectivement, c'est ce qui a été accepté, voilà, par la cour de Belgique. Je reprends mes informations. Alors, on l'accepte juste qu'il ait
une expertise psychiatrique pour voir si éventuellement il peut sortir ou pas. Alors, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez après avoir violé, séquestré, torturé six petites filles et en avoir tué quatre. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de l'expertiser. C'est pas la peine. Laissons-le là où il est. Voilà. Il a fait assez de mal à bien du monde. Ne le faisons pas ressortir. N'allons rien expertiser. Oh non. Voilà, je suis d'accord. C'est l'info qui m'a fait froid dans le dos et je voulais vous la partager. C'est froid dans le dos. Ouais. C'est vrai, c'est vrai que c'est assez flippant. Allez, moi je repars sur des choses un peu plus rigolotes, d'accord ? Oui ! Ouais, super. Ok. Il y a un youtubeur. Vous savez ce que c'est qu'un youtube ? Vous savez oui. ce que c'est qu'un youtubeur ? Oui. Bon, oui. Très bien, parfait. Donc, du coup, c'est donc Pedro Ruiz. Et Pedro Ruiz a voulu faire un tuto sur Internet. Donc, un tuto, c'est montrer, démontrer par l'image, enfin, comment faire quelque chose par l'image. Et lui, il a voulu montrer qu'un livre pouvait arrêter une balle. De revolver. D'une arme, oui. Alors, pas n'importe quel revolver, c'est un Desert Eagle. Alors, un Desert Eagle, c'est quand même un très, 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 très gros pistolet de l'armée américaine. Et donc, il a demandé à sa nana de lui tirer dessus à 10 mètres et de lui de se protéger que d'un livre. Et vous savez quoi ? Il est mort. Eh bien, le livre ne l'a pas protégé. C'est quand même fou, ça. Mais genre, quand quelqu'un se lance comme ça, dans cette idée-là, bon, déjà, il faut l'avoir. Hein. Mais juste une question. Il vérifie pas avant, le mec, qu'il va marcher ? Il voulait faire un tuto et il voulait justement vérifier. Il voulait juste montrer à tout le monde que c'est... C'est pas possible. Autant ça aurait été un autre type de pistolet... Peut-être, mais là on parle d'un Desert Eagle qui est, le pistolet le plus puissant du monde. Voilà, donc après, bon, pour le coup. Et du coup, la nana, elle était arrêtée pour crime ou pas ? Eh ben, c'est une très très bonne volontaire question. Volontaire ou involontaire ? Je vous garantis que l'année prochaine, eh bien, j'aurai cette réponse. Voilà. Ah yeah. Et j'ai eu une fille, je termine avec celle-ci parce qu'elle est assez épique, celle-là. Donc, une fille qui a eu un accident de voiture pendant qu'elle montrait ses seins. Donc mais... Natalia Borodania, c'est une Russe de 35 ans, elle est morte en voiture en République Dominicaine. Elle s'est penchée par-dessus la vitre pour montrer ses seins à quelqu'un et sa tête a percuté un panneau. Oh quelle horreur. Oh, non mais du coup c'est semi-drôle quoi quand même. Oh cette mort nulle. Non c'est drôle ouais. Ok c'est drôle. Voilà encore plus j'en ai encore plein mais bon là pour le coup là on voilà, c'était, je pense que je terminais mon tour de piste des morts les plus ridicules. Ouais. Il y en a plein, des morts de Darwin. Effectivement, merci de nous avoir relayé là, ces informations plus ou moins mortelles. Joli jeu de mots. Voilà. Eh bien, nous arrivons bien presque au terme de notre émission passée en direct. Ça a été un réel plaisir, en tout cas pour moi, de l'animer en votre compagnie, les copains. Oui, bah, plaisir partagé. Génial. Plaisir partagé. J'espère que nos auditeurs, on vous aura mis dans une ambiance pareille, mortelle ou diabolique, en tout cas, en attendant la soirée d'Halloween. Parce qu'elle ne fait que commencer. Restez en tout cas branchés sur les ondes de Radio Grand Lac. Nous vous avons préparé plein de bonnes musiques pour la soirée. J'ai la petite annonce à vous faire pour demain. La matinale demain n'aura pas lieu. Vous retrouverez Audrey lundi matin. Elle se repose demain, mais vous aurez le plaisir de retrouver notre animateur Lolo demain soir à partir de 20h. Musique by Lolo, même les jours fériés à 20h demain en direct. Voilà, à 20h. Et Alex et Tristan. C'est ça. Pour nos régions d'Adis, toi, à partir de 22h, on prend le relais du vieux. Oh, oh non. Il est jaloux de ma barbe. Ça claque. Il est vrai poivre et sel, mais pour l'instant, on est trop jeune. Bon, on y viendra. Ça clash pas mal, hein. Là, dans le studio, les langues se délient, ça y est, on se permet tout. Alors Alex, puisque tu as justement envie de nous parler, tu vas nous raconter sur quelle musique on va enchaîner ? Eh ben, enchaîner sur le grand orchestre du Splendide avec ce morceau, mais magnifique, qui n'a absolument pas pris une ride. Allons partir évidemment sur la salsa du démon. C'est le remix ? Non, c'est l'original, je crois. Donc, messieurs, dames, je ne sais pas si vous êtes prêts derrière, mais du coup... Tu ne seras pas chanteur, Alex, on est d'accord. Je ne le serai jamais chanteur, okay. Voilà. Ça, juste les 31 octobre, parce que c'est rigolo. Donc voilà, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite la salsa du démon, du grand orchestre du Splendide. Avec Tristan, on vous dit à demain. Lolo aussi, tu nous dis à demain. Et on vous dit... Gros bisous. Yo. Bonne soirée à tous. On vous souhaite une belle soirée à tous. Profitez bien d'Halloween et plein de bonbons à vous. À plus tard sur Radio Grand Lac.